Christian on est ici à la forge Riverain à la Malbaie et euh, comme on peut voir, euh, on a beaucoup d'histoires dans cette forge-là. Donc, parlez nous un peu des débuts de la forge et l'histoire qui s'en est suivie. Oui, absolument. C'est un bâtiment, euh, la section la plus ancienne qu'on voit ici, qui est la boutique de forge, qui date de 1840. Alors, euh, dans ce bâtiment-là, il y a eu quatre générations de forgerons. Alors, le, les deux premiers s'appelaient William, ensuite Gustave et le dernier s'appelait Louis Riverain. Alors... Euh, cette section là la plus ancienne en 1874 le deuxième qui s'appelait River, William Riverin alors a fait construire le deuxième étage pour installer sa famille. Alors il y avait besoin d'espace beaucoup parce que le deuxième a eu 13 enfants. Alors en 1874, on a ajouté le deuxième étage et on a agrandi le bâtiment par l'arrière. Alors, euh, les trois premières générations de forgerons, c'était ce qu'on peut dire des forgerons traditionnels, spécialisés euh, de fabrication des fer à cheval et la réparation des roues. Mais le troisième, qui s'appelait Louis Rivrain, à partir de 1962, a débuté euh, la production des coques sculptées. Alors, évidemment, dans les, à partir des années 50, avec l'arrivée de l'automobile, le métier traditionnel de forgeron était moins important. Alors, lui a développé ce métier-là euh, de, de production de sculptures, de… Surtout de, de coques sculptées. Alors, euh, dans le secteur de ce qu'on appelait Pointe-Pique à l'époque, euh, il y avait la famille euh, de Jackie Desmarais et de Paul Desmarais. Et grâce à cette connaissance-là, il s'est développé toute une clientèle un petit peu partout au Québec et même ailleurs dans le monde. Alors, c'est un peu l'histoire de la forgerie Vrain dans les grandes lignes. Autour de nous, on a beaucoup d'outils de matériaux de fabrication de, pour euh, fabriquer justement ça. Est-ce qu'on parle d'outils authentiques qui ont servi réellement oui, absolument. Tous les, euh, tous les outils que vous voyez ici sont authentiques. Et l'essentiel du travail euh, qui était fait par la Société d'histoire euh, de Charlevoix, alors, on est propriétaire, la société, depuis 2016 de la Forge Rivrain. Alors, il y avait une menace de démolition. Alors, nous, on s'est dit, bon, ce serait dommage de perdre un bâtiment d'un tel intérêt euh, patrimonial. Alors, depuis ce temps-là, on a mis en place un plan de rénovation du bâtiment. Alors, maintenant, on est rendu à tout près de 90 000 d'investis de l'argent, beaucoup de travail de bénévoles. Alors pour remettre euh, en place, et notre objectif, c'était euh, au rez-de-chaussée ici, euh, qui est l'ancienne boutique de Forge, on voulait que ça demeure authentique, que ça demeure vraiment comme c'était à l'époque. On a fait quelques be, travaux dans l'arrière-boutique pour installer un plancher, euh, évidemment une toilette pour que les gens les, les visitent l'endroit, mais le, le, le vo la volonté principale derrière tout ça, c'est de garder l'authenticité et tous les outils euh, qu'on voit ici, euh, date probablement du père, même du grand-père de Louis Riverain. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas de quincaillerie Alors le forgeron fabriquait ses propres outils. On peut voir également au niveau des caractéristiques, des produits, vraiment les détails. On peut dire que les matériaux ont beaucoup servi. Et justement, qu qu'est-ce qu que les gens faisaient ici avec euh, ces matériaux-là? Qu'est-ce qu'on construisait finalement? Alors la spécialité de la famille Riverain, c'était vraiment la réparation des roues de, 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 de charrette et tout ça. Parce qu'évidemment, toute la section autour de la roue est en métal, et vous aviez par exemple un instrument qui s'appelait euh, la, la plieuse là, qui, servait à, qui servait à donner l'angle exact de la structure de métal pour mettre sur les roues. Alors, euh, évidemment, ici, c'était, on était dans une forge vraiment centre-ville. Alors, c'était un petit peu comme le garage de l'époque, à l'époque des, des chevaux. Alors, le forgeron est important, et le, Monsieur euh, Louis Riverin, que comme je disais tout à l'heure. Sa spécialité était de faire des coques sculptées et sa spécialité, c'était de reproduire le plumage. Alors, c'était vraiment un travail qui dépassait vraiment le travail de forgeron traditionnel, qui était plus, euh, qui était plus brut, hein, c'était un travail très physique. Là, on était vraiment dans la, la, la nature très artistique. Alors, quand vous voyez, par exemple, ses, son hibou et ses coques, le plumage, c'est un travail fin qui était fait, qui demandait tout un, un art de faire. Alors, qui s'est développé. C'est comme ça, vraiment, qu'il s'est développé une réputation à l'échelle internationale. Et comme exemple, bon, par exemple, vous avez le, le coq qui se trouve sur l'église de la Malbie. C'est un coq qui a été fait par Monsieur Rivrain. Et en 1996, Jean Chrétien avait remis un de ses coqs à Monsieur, euh, au pape Jean-Paul II, alors qui était alors le, le pape de l'Église catholique. Alors, c'est quand même une renommée importante. C'est un des grands artistes qu'on peut dire de l'histoire de la Malbie. Alors, ce bâtiment-là témoigne de ça. Et on trouvait ça important euh, de faire ce qu'on a développé aujourd'hui, ce qu'on appelle l'espace mémoire riverain pour rendre hommage justement à la mémoire de ces quatre générations-là de riverains et en particulier du travail de M. Lou Riverain. On a également des fers à cheval. Vous avez parlé il y a quelques secondes des chevaux, donc j'imagine que ces, ces fers à cheval-là étaient spécifiquement pour les animaux, pour, pour eux Oui, absolument, pour les chevaux. Oui. Et on voit quelques traces d'ailleurs sur les murs que les chevaux pénétraient directement dans la boutique de forge et étaient attachés. Et ensuite, ils étaient ferrés. Alors, c'était un travail à l'époque qui était très, très risqué. Hein? Ça arrivait très souvent que les, les chevaux pouvaient ruer. Alors, euh, vraiment, les, les, les riverains ont fait ce travail-là. Alors, c'était pendant plusieurs générations. Et même M. Riverain, il l'a fait encore également pour les des habitants des environs et même on dit dans les années 50-60 les gens avaient par exemple un problème avec le vélo, ils faisaient des soudures à tous les niveaux, alors ils trouvaient un moyen de rentabiliser un peu le travail parce que évidemment les chevaux c'était beaucoup moins important dans les années 50. -60. Les autos étaient très importants dans les années 50-60, alors le métier traditionnel de forge a disparu à ce moment-là. On a une poulie derrière nous actuellement, euh, quel était son rôle à ce matériau-là Est-ce que c'était des choses plus spécifiques qu'on pouvait faire avec ça oui, c'est très original. À l'origine, c'était une perceuse manuelle. Alors aujourd'hui, une perceuse, c'est un petit objet euh, automatique, euh, électrique qu'on tient dans la main. Mais à l'époque, une perceuse, c'était très important. Et ce qui est original avec la perceuse, c'est que par la suite, ils ont ajouté un moteur pour la rendre, la perceuse électrique. Alors, ils ont ajouté un petit moteur de, de laveuse. Alors qui était qui permettait à part la rotation avec des poulies d'actionner la... alors c'était devenu une perceuse électrique à ce moment-là. Alors on disait on était vraiment très originaux à l'époque, on servait du moindre objet pour pour faire une perceuse qui était très utile évidemment pour percer le métal en différents travaux qu'on qu faisait en travail de forgerie. Ce que je trouve intéressant, c'est que là autour de nous, on a les matériaux et les outils de forgeron, on a les fers à cheval, la poulie qu'on vient d'écrire également les sculptures dans le bois. C est, c est, on, on voit ici l'ensemble de l'œuvre, des œuvres qui ont été faites par le passé. Ça, je trouve ça magnifique parce que le tout est là. Oui, absolument. Et même, je dirais, l'œuvre d'art principale, c'est la forge elle-même. Vous voyez, par exemple, les poutres sur les côtés. C'était fait directement avec des branches d'arbres. Alors, à l'époque, on n'avait pas. Euh, toutes sortes de, on utilisait la moindre section des arbres bon, pour faire des équerres en bois, un petit peu comme on faisait par exemple dans les goélettes, on utilisait les, les branchages d'arbres spécifiques pour faire des, des équerres. Alors, le bâtiment lui-même est une œuvre d'art et on peut se dire à l'époque, les gens utilisaient beaucoup de bois et les murs étaient très épais. Alors, Aujourd'hui, on a tendance à économiser le bois, mais à l'époque, le bois, on en avait beaucoup, on l'utilisait à bon escient. Et évidemment, et, et, même quand on pénètre dans le bâtiment, on a l'odeur également du bois, du vieux métal qui, qui, qui demeure un peu ici. Alors, c'est un élément intéressant. On est vraiment dans une vieille boutique de forge qui date depuis de 180 ans, pratiquement. Quand on prend l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense qu'avec le décor, on a, ça prend tout son sens ici aussi. Oui, absolument. Et on a vraiment un témoignage. On, on a l'impression de pénétrer vraiment dans une époque révolue, au début de la rue Saint-Étienne, dans les années 1840, où il n'y avait pas beaucoup grand-chose autour. Il y avait des magasins généraux. Il y avait quelques professionnels, des avocats, des notaires. Mais on est vraiment dans l'un des bâtiments qu'on pourrait dire même identitaires, là, qui définissent un peu l'identité de la Malbaie. Alors, le, la, la forge Riverain, c'est un bâtiment intéressant qui se situe au 218 rue Saint-Étienne à la Malbée. Alors, c'est un bâtiment qui a une forme particulière, d'ailleurs, à l'extérieur, Alors qui a été construit, comme je disais tout à l'heure, en plusieurs étapes et qui a un très beau toit mansard à, à l'extérieur qui, qui est assez particulier. On ne retrouve pas cette architecture-là partout euh, dans Charlevoix. Maintenant, si on monte au deuxième étage, on a une très, très belle exposition où on revisite un peu les années 60. Parlez-nous un peu de l'exposition comme telle. Oui, absolument. Là, on a aménagé ce qu'on appelle le, euh, la boutique de forge. se, se trouve au rez-de-chaussée. Et au premier étage euh, se trouvait à l'origine, bon, c'était la, la résidence de, de la famille de Forgeron, la cuisine, la salle à manger, le salon. Et on a fait un plan d'aménagement pour le premier étage. Et à partir de, 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 de cette année, on a débuté euh, au début de mai, on présente ce qu'on appelle l'espace culturel et documentaire de la Société d'Histoire. On présente des expositions. Et la, cette exposition-là est consacrée aux frères Gagnier. Alors ce sont trois frères, Jean, Serge et Hérôme Gagnier. Alors qui sont des artistes qui ont été très actifs dans les années 60-70. Et, et l'essentiel de leur proposition, c'est de témoigner de cette... On peut dire cette époque-là d'effervescence. Alors, ils ont des témoignages photographiques, des œuvres d'art, des collages qui rendent compte un peu de, la, de cette période-là qu'on appelait la période contre-culturelle. Alors, à l'intérieur de ça, vous trouvez des personnages euh, que certains connaissent plus, comme Lucien Franca, le sculpteur Armand Vaillancourt. Euh, il y a une biographie qui est sortie récemment par euh, Serge Gauthier qui était consacrée à Jean Gauguet Larouche, qui est un des grands sculpteurs québécois qui a conçu les. Euh, le logo de la CSN. Alors, c'est un sculpteur qui est originaire de la Malbaie, alors qu'il était un ami des frères garnier Et Errol garnier lui, spécialisé particulièrement dans la photographie. Il a pris des grandes photographies, par exemple de Pauline Julien, euh, de Joanne Corneau, là, la, la, la peintre qui est décédée cette année. Alors, c'était des gens qui ont été au, au centre de la vie culturelle des années 60-70, et leur exposition prend hommage à cette période-là. Et non pas dans un, on peut dire dans un esprit de dire simplement témoigner de, du passé, mais de s'en inspirer pour faire de la création. Et on voit par exemple sur le terrain à l'arrière euh, ce qu'on appelle un totem, un peu dans, comme les autochtones le faisaient, un, un totem qui permet de présenter un petit peu l'histoire, la mémoire des gens. Alors c'est toute une réflexion, euh, et il y en a un art très moderne là, qui est présenté au premier étage de la Société d'Histoire. Alors on invite les gens à venir. Les frères Garnier, c'est des, des gens... Jean et Serge Gagné ont réalisé beaucoup de documentaires sur différents personnages, comme le poète Gilbert Langevin, un film sur Armand Vaillancourt. Alors, c'est des artistes qui ont été très importants au Québec. Alors, on invite les gens à venir visiter à la Forge Riveraine. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens dans Charlevoix qui vont se reconnaître dans ces années-là, qui vivaient, je pense, parce qu'on revisite pratiquement toutes le, les bonnes périodes. Donc, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Oui, parce qu'évidemment, les gens les plus âgés se souviennent que dans Charlevoix, euh, la contre-culture, les hippies, ça a été très important. Alors, il y a beaucoup de commerces dans Charlevoix qui ont été lancés, qu'on pense ou, par exemple au Cirque du Soleil, qui ont été lancés dans la région de Charlevoix. Beaucoup de commerces dans, dans Charlevoix. Des fois, les gens, on s'en souvient plus. Mais, à à l'origine, c'était des hippies qui étaient venus s'installer dans des communes qui, par la suite, sont devenus des, des gens d'affaires. Alors, c'était des gens qui ont été beaucoup en lien avec les frères Garnier. Alors, c'est un témoignage de ces années 60-70 qui ont été très Très, très important dans l'histoire de Charlevoix et même dans l'histoire aujourd'hui de Charlevoix. Alors, c'est quelque chose à venir voir visiter. Et même on a prolongé ça jusque dehors où on a des photos en forme de croix, également des photos qui sont euh, euh, posées sur les clôtures. Qu'est-ce qui a amené euh, les, les frères à, à aller jusque dehors pour euh, expansionner ça Alors, ils il étaient venus au, au mois de mars dernier. Ce volet-là a été laissé un peu de côté pour des raisons très très simples, à cause de la neige, tout ça. Mais là, ils ont trouvé ça tellement beau à l'arrière, la quiétude. Ils se sont dit, bon, il y a des beaux arts, ça serait intéressant. Euh, par exemple, Jean Gauguet Larouche, la qui est un sculpteur, qu'on qu a parlé tout à l'heure, sa spécialité, c'était des œuvres dans les arts. Alors, c'est une vogue dans les années 60. On a laissé tomber, par exemple, la sculpture. On faisait des sculptures qui, qui faisaient sonore, qu'on plaçait dans les arbres. Euh, pour ajouter des, des volets, par exemple, ce qu'on entend, ce qu'on sent et tout ça. Alors ils se sont dit, bon, ce serait beau d'utiliser la petite terrasse à l'arrière pour présenter des photographies, vivre une expérience dans les arbres. Alors c'est un peu de toute leur démarche qui est vraiment... Euh, sont, disons que les, les frères Garnier sont arrivés le lundi même et c'était une machine, c'était une tornade, ces gens-là, créatrices qui étaient devant nous. Alors ils ont déballé leurs choses, on, ah, on pourrait installer ça comme ça, ça serait intéressant. Alors c'était vraiment un travail de création qui est représenté. Alors, on invite les gens à venir voir ça parce que c'est vraiment original. Absolument. Donc, on lance l'invitation pour à la fois l'exposition, mais également pour voir le travail dans la forgerie, parce qu'il y a vraiment des beaux trésors ici à avoir là, pour les gens qui veulent voir ça. Donc, on lance l'invitation. Venez voir à la forgerie. Et, euh, on souhaite aussi beaucoup de plaisir à tous ceux qui viendront visiter ça. Absolument. Vous êtes invités. Alors, euh, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h. Alors, on invite tous les gens à venir. Euh, venir voir cette, cette pièce importante de l'histoire de Charlevoix et on veut que ça devienne un élément culturel important pour la Malbaie et tout Charlevoix. Alors on invite les gens à venir voir cette maison qu'on veut une maison de la culture dans l'avenir. Excellent. Monsieur Hervé, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup.